الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le détenteur de pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin en pleine forme, sans l'aide de quelqu'un, et venir répondre à l'appel de Dieu qui est la prière de Juma. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos prières et nous attestons au même moment que Allah n'a pas d'autre divinité en dehors de lui. Dieu, il est unique. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Et au même moment que Muhammad alayhi salatu wa salam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Chers croyants, je vous recommande ainsi que moi-même à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Et quand on regarde la société d'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Mais vous savez, la raison c'est où? La raison c'est manque la crainte de Dieu. Manque d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui pousse l'autre à commettre ce qu'il ne devrait pas faire. Nous prions Allah qui nous donne toujours sa crainte. Depuis quelques vendredis, le vendredi passé, l'imam Dr Arna Konaté a lancé une série de sermons avec vous, avec nous, sur le premier pilier de notre foi. Premier pilier de notre foi en islam, il s'agit de l'attestation de foi. Attester que Allah est le créateur, il n'a pas d'associé, et que Muhammad alayhi salatu wa salam et son serviteur et messager. Le fait d'accepter que Mohammed est son serviteur et messager que nous suivons, que cela signifie quoi? Ça joue quel rôle dans notre vie de tous les jours? Et qu'est-ce que ça peut nous rapporter d'ici-bas? Et qu'est-ce que ça peut nous rapporter dans l'au-delà? Comme vous le constatez ces temps-ci, c'est la naissance de Mohammed que nous attendons plus. C'est un événement, oui, car Dieu nous dit dans le noble Coran. Et lui, Allah, il a fait grâce aux croyants le fait qu'il les a envoyés Muhammad comme le dernier messager. Dernier messager surgit pour toute l'humanité. Donc les autres prophètes, on les a envoyés à des peuples bien précis, mais quant à Muhammad, est envoyé à toute l'humanité. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez le chinois, quand il prie, c'est la même fatiha. Il ne récite pas la fatiha en chinois. L'indonésien, pareil. L'Australien pareil, l'Africain pareil. Donc, l'islam est une religion universelle. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et l'imam nous enseignait aussi le fait que nous aimons Mohammed, le fait que nous, on se sent toujours de la communauté de Mohammed, cela signifie quoi? Cela signifie, en résumé, comme le docteur l'a dit, de se soumettre toujours aux recommandations de Mohammed. Mohammed n'a rien initié de lui-même. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Donc Muhammad alayhi salatu wa salam fut être envoyé à toute l'humanité et notre rôle vis-à-vis de Muhammad, mais on ne peut pas connaître notre rôle, ou soit le devoir de Muhammad, ou soit notre devoir vis-à-vis de Muhammad, si on ne s'imprègne pas un peu de la biographie de Muhammad, comme le docteur l'a dit. C'est pourquoi nous avons lancé une série de sermons sur sa biographie à les différentes étapes. Mais à les différentes étapes étant d'abord un messager, un envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, il vivait avec tout le monde. L'envoyé de Dieu,
est composé avec tous les composants de la société. Jeunes, vieux, enfants, musulmans, non-musulmans, et collaborer avec tout le monde. Mais aujourd'hui, avec vous, la partie qui nous intéresse, regardons un peu, on va faire un état de lieu. Regardons dans la société. Notre société aujourd'hui, combien de fois on nous invite au mariage? Mais un an plus tard, deux ans après, tu demandes, ah, est ta fille ou soit est ton fils? Ah, oh, j'ai oublié même de t'informer qu'ils se sont séparés. Mais pourquoi ils se sont séparés? Sachant bien pourquoi ils se sont engagés pour le mariage. Donc, un état de lieu pour voir notre société aujourd'hui. Qu'en est de notre société avec la vie de, avec notre, dans nos couples, c'est-à-dire monsieur et madame, ou madame et monsieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que monsieur est à la hauteur, ou soit madame est à la hauteur, ou soit c'est le contraire? Venez avec moi pour que chacun de nous puisse s'imprégner de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien vrai, on doit se réjouir de sa naissance, mais en suivant toujours, en mettant en exécution ses enseignements et ses pratiques que l'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il aimait. Une fois, notre mère Aïcha, elle a été interrogée. Quand on parle de la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est chez lui à la maison, avec ses femmes, ses épouses et avec les autres femmes sahabites. Comment le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam traitait les femmes? On demande à notre mère Aïcha, radiyallahu anha, comment Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam était. Elle répond ceci, fa'ajabat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alinu nas, wa akramu nas, kana rajulan min rijalikum, illa annahu kana dhahakan bassaman. Il dit, Mohammed fut un homme comme vous. Mohammed, c'est un chef de famille comme toi. Mais par contre, Mohammed, ses qualités à la maison, ce qu'on a remarqué, il était très doux. Mohammed était très doux. Mohammed, il honorait toujours ses épouses. Mohammed, il était très généreux. Généreux, tant que jusqu'à ce que Mohammed a suivi, il donnait tout à sa famille. Et il donnait même à autrui, à plus forte raison, sa famille. Et elle continue, Mohammed était quelqu'un qui souriait beaucoup, il souriait beaucoup. Et il rigolait beaucoup. Et Mohammed, il nous taquinait aussi de temps en temps à la maison. Si ça c'est Mohammed alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, nous regardons certains chefs de famille. Quand la famille veut nous coller un nom qui n'est pas positif, j'ai dit bien qui n'est pas positif, c'est-à-dire le nom qu'on va vous coller, qu'on va vous donner, ce n'est pas un bon nom. Votre nom ou soit votre réaction ne doit pas être pareil. On donne le nom d'un dirigeant. Vous n'avez pas cité de nom. Beaucoup ont pensé que celui-là, il était dur, il était un dictateur, même si c'est le contraire des fois. Et ici, une fois qu'on t'a collé ce nom, quand il sonne à la porte, tout le monde a peur. Quand on sait que c'est à 18h30, papa doit rentrer du travail, tout le monde a peur. Quand on sait que, ah, vraiment, aujourd'hui, demain c'est le vendredi, aujourd'hui c'est le début du week-end, tout le monde a peur. Pourquoi? Quand il sera à la maison, personne n'est libre encore. Personne ne peut s'exprimer. Personne ne peut réclamer ce qu'il veut. Personne ne peut demander ce qu'il veut, il veut demander à papa. Mais Mohammed alayhi salatu wa salam n'était pas un père comme ça. Comme dit notre mère Aïcha radiallahu anha. Mais notre mère Aïcha, pourquoi nous prenons l'exemple de la parole de notre mère Aïcha radiallahu anha? Venez avec moi dans la sourate 33, sourate Al-Ahzab, au verset 6, où Allah nous dit ceci. Quel est le rôle, quelle est la place des épouses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie? Elles pèsent combien? Et Dieu dit, je cite, An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Il dit, Mohammed a plus de droits sur chacun de nous. J'ai dit, mais Mohammed a plus de droits sur chacun de nous, jusqu'à plus que nos deux parents. Mais à la fin du verset, il dit, wa azwajuhu ummahatuhum. Ses épouses sont nos mères. Mère de qui? Mère des croyants. Tout musulman, les épouses du prophète, alayhi salatu wa salam, on les considère comme nos propres mères. C'est pourquoi Dieu dit dans le noble Coran, « Wa azwajuhu, ses épouses, ou mahatuhum, elles sont nos mères. »
C'est pourquoi à chaque fois, nous, on dit notre mère Aïcha, notre mère Khadija. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple du hadith de Aïcha radiallahu anha, qui nous donne un peu en résumé la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dans sa famille. Un autre exemple de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salam dans sa famille, il rapporte ce hadith et dit Khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahlihi. Il dit meilleur parmi nous, le bon musulman, le bon croyant, il dit c'est celui-là qui est meilleur envers sa famille, mais à commencer d'abord par ta femme. J'ai dit bien à commencer d'abord par ta femme, mais il dit parmi vous encore, c'est moi Mohammed qui est le plus meilleur. Mais comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait ses épouses? Il criait sur elles? Non. Il les insultait? Non. Il les humiliait? Non. Il les offensait? Non. Un autre exemple, une fois, Umar ibn Khattab, radiallahu anha, est rentré chez lui et il allait trouver que sa femme a commencé à le bouder. Elle n'est pas s'intéressée un peu à lui. Et Umar, tout le monde connaissait Umar. Mais Umar a eu le courage de demander à sa femme, ce que tu fais là n'est pas juste. Ou bien ce que vous faites n'est pas juste. Et Umar, sa femme va lui dire ceci, pour dire qu'il doit avoir la communication. Si le prophète alayhi salatu wassalam ne communiquait avec ses épouses, ne communiquait pas avec ses épouses, ce que Aïcha a rapporté, ça allait être difficile. C'est difficile pour une femme de dire quelque chose sur son mari qui n'est pas vrai. Il n'y a pas la trahison là. Si le mari est bon, elle va confirmer que oui, il est bon. Et s'il est mauvais, elle dira oui ou soit. Quand les gens parlent beaucoup, ah, votre mari est gentil. Ah bon, il est gentil. La réponse, on le sait déjà. Quand vous dites à une femme, ah, votre mari est gentil, et elle répète, ah bon, il est gentil, vous le connaissez la suite. Donc, c'est pour dire, ce qu'il fait dehors, ce n'est pas pareil à la maison. Umar demande à sa femme, pourquoi vous faites ça? Et sa femme lui dit, va demander à ta fille. Elle aussi, une de nos mères, c'est-à-dire une épouse du prophète, alayhi salatu alayhi salam, qui est Hafsa. Et Umar aussitôt va se rendre chez Hafsa et aller demander à Hafsa, voici ce que ta mère a rapporté. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'elle a dit là, c'est vrai? Elle a commencé à rire. Elle regardait son papa. Oui, Umar est son père, mais le prophète, alayhi salatu alayhi salam, est son époux. Et elle dit que oui, ça arrive des fois que l'on boude le prophète, alayhi salatu alayhi salam, près de 48 heures. Jour et nuit. Mais comment était le prophète alayhi salatu wa salam? Est-ce qu'il criait sur vous? Non, il ne criait pas. Et c'est là où Omar a compris que ce qui arrive chez lui arrivait chez le prophète alayhi salatu wa salam. Ne te dis pas que c'est toi seul. Tu seras boudé à la maison. Mais est-ce que c'est une raison de dire à la femme, prends tes bagages, rejoins ta famille? Est-ce que c'est une raison de ne pas donner l'argent des pocottes? Est-ce que c'est une raison de commencer à crier sur elle devant ses enfants? Est-ce que c'est une raison de commencer à l'humilier devant tout le monde? Non. Comment le prophète alayhi salatu wassalam arrivait à sortir de là? Le prophète alayhi salatu wassalam, très intelligent. Notre mère Aïcha, elle rapporte encore. Une fois, elle était en conflit avec son mari, qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Ça arrive à tout le monde, mais ici, pourquoi nous donnons ces exemples? C'est pour aider la société. Oui, bien vrai, c'est la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Notre part de la naissance, de cette réjouissance, c'était mettre en exécution les enseignements et les orientations de Mohammed, alayhi salatu wa salam, comme le docteur l'a dit dans le sermon passé. Et elle dit ceci, qu'un jour, Mohammed, alayhi salatu wa salam, était fâché. Mon père fait son entrée à la maison. Il rentre chez nous, qui est Abu Bakr Siddiq. Et elle a commencé à aller se réfugier auprès d'Abu Bakr Siddiq. Et quand elle s'approchait à son père, et le père a voulu corriger sa fille autrement, c'est lui qui était en conflit avec sa femme hier, va se transformer automatiquement en réconciliateur. Quel est Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit non, 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 c'est bon comme ça, donc donne-moi ma femme. Pour dire le prophète alayhi salatu wassalam, il taquinait ses épouses, il jouait avec ses épouses, et notre mère Aïcha encore, elle rapporte plus. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des concours à la maison. Il dit qui peut courir pour arriver là et personne n'aura telle chose. Et que je faisais ça de temps en temps avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Vous dites le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il était un homme doux, comme elle a cité. Il était un homme exemplaire et un homme passif.
Et ce prophète Mohammed, dans ses enseignements, il a toujours recommandé aux hommes. Il dit que vos épouses, vos femmes à la maison, elles sont vos sœurs. Nos épouses sont nos sœurs et vos épouses sont vos frères. Mais quand vous regardez votre frère ou vous regardez votre sœur, est-ce que vous allez avoir le courage de lui faire du mal? Non. Et il dit dans un autre hadith, il dit que la femme, des fois ça arrive, des fois tu peux détester certains comportements de ta femme. Mais il continue, in karaha minha khulkan radiya minha akhar. Si ta femme a des défauts, sois sûr qu'elle a des qualités. Et le prophète alayhi salatu wa salam a si tablé sur les qualités de ses épouses. Le prophète alayhi salatu wa salam a si traité ses épouses. Et à chaque fois, quand vous entendez les hadiths, vous n'allez jamais entendre des hadiths contraires à la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Il était toujours au-dessus de l'épreuve. Il montrait que lui, il est l'homme, mais il est né pour encaisser. Oui, dans un couple, c'est l'homme qui encaisse plus. Et si toi, tu n'encaisses pas, tu es chef d'entreprise, tu es le PDG, tu es le président de la République, mais tous les petits détails, tu as l'œil sur ça. Ce n'était pas le prophète, alayhi salatu wa salam. Dans sa vie à la maison, il ne regardait pas sur tous les détails. Il ne prenait pas, pour me faire comprendre aujourd'hui, aller prendre le portable de sa femme pour fouiller dedans. On dit le portable. Le portable est individuel. Si madame t'autorise à fouiller dans son portable, mais si elle ne t'a pas autorisé, il ne faut pas fouiller. En islam, voilà, tajassassou. Ne cherchez pas à forcément voir le défaut d'autrui. Si la personne cache, c'est entre lui et Dieu. Mais tant que la personne n'a pas mis ça au grand public, devant le grand public, nous n'allons pas juger la personne. Donc, dans un couple, comme le prophète alayhi salatu wa salam faisait, il tapait l'œil sur beaucoup de choses pour nous faire comprendre dans notre société. Ne suis pas tous les détails de ta femme. En suivant tous les détails de ta femme, un jour tu seras dessus. Mais le prophète alayhi salatu wa salam te dit, si tu ne veux pas d'elle aujourd'hui, regarde tes enfants. Elle a fait au moins 4 enfants ou bien 3 enfants avec toi. Et grâce à ses enfants, après ta mort, toi, tu seras toujours présent sur terre. Oui, parce que c'est à travers nos enfants, on dira que c'est l'enfant d'autrui et son grand-père était temps. Mais à chaque fois, parce qu'il y a une petite dispute entre toi et ta femme, plie tes bagages, rentre chez tes parents. Non. Et le jour que ses parents t'ont donné, avec l'accord de toi-même, tes parents, la réponse est certaine pour Akou. Oui, nous l'avons accepté. Et c'est pourquoi d'ailleurs le prophète, alayhi salam, quand il a accepté ses épouses, et il n'a pas accepté de se séparer de ses épouses. Chers frères et sœurs en islam, regardons encore une fois de plus dans notre société. Si notre comportement avec nos épouses à la maison, c'est pareil avec la tradition et les orientations de Mohammed, tant mieux. Mais on doit tout faire pour améliorer. Il n'y a pas un homme idéal. C'est la femme qui va t'aider à être idéale. Et il n'y a pas une femme idéale. C'est l'homme qui va accompagner sa femme jusqu'à ce qu'elle soit idéale. Et c'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit. En parlant d'un homme idéal ou soit une femme idéale, venez avec moi encore. Dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète avait plusieurs épouses. Et il y a une qui allait se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam, pour dire, Hafsa m'a fait telle chose. Hafsa s'est moqué de moi. Mais regardez un homme sage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va voir la femme à qui Hafsa a fait du tort. Dit non, ce que Hafsa t'a fait, il ne faut pas considérer. Dit que toi, ton mari est prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des hommes. Il dit cela suffit déjà comme qualité. Ton mari, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir soulagé la souffrance de cette dernière, elle est en colère. Quand le prophète sortait de chez elle, elle souriait. Et il va voir Hafsa, celle qui n'avait pas raison, en lui disant, Hafsa, ce que tu as fait n'est pas juste. Il ne faut pas faire ça. En islam, ça, ce n'est pas bien. Bien vrai que ça peut être crise de jalousie, qui est normale, mais le prophète, alayhi salatu wa salam, va corriger les deux sans pour autant exposer l'autre à une autre. Donc l'homme, comme le prophète l'a fait, il était un homme impartial, un homme juste. Quand bien même l'autre, autrui, elle n'a pas raison, il va la faire comprendre que ce que tu as fait n'est pas juste. Mais quand il venait, c'est cette dernière, va lui soulager aussi ce qu'elle devrait entendre. Ça, c'est la politique sociale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sa politique familiale, comment il gérait ses épouses dans les différents conflits.
Et pour terminer, l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'a pas autorisé à un homme, à un musulman, de rompre parole à autrui au-delà de 3 jours. Mais quand on parle de musulman, ta femme elle est musulmane. Et il dit dans un hadith, elle est ta sœur. D'ailleurs, mais pourquoi aller rompre la parole avec ta femme au-delà de 1 mois? Parce que c'est ce qu'elle m'a fait que je ne peux pas tolérer. On parle, mais c'est en communiquant que nous allons trouver un terrain d'entente. Et c'est qu'en communiquant, on va comprendre qu'est-ce qu'on lui a fait. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'on nous apportait ces nouvelles comme ça, dans sa famille, il ne jugeait pas à travers les dires de celui qui vient de se plaindre, mais il écoutait les deux parties d'abord avant de trancher. Mais en tranchant, il était tout le temps sage avec les enseignements du noble Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé toujours aux hommes de traiter leurs épouses comme leurs sœurs, de traiter leurs épouses comme leurs filles, de traiter leurs épouses comme leur mère. Donc, elle a ces 3 qualités. Une mère, une sœur et ta fille. Et si on regarde parmi nous, les hommes, ces 3 catégories de femmes, est-ce que tu peux accepter qu'on lui fait du mal? Jamais. Mais pourquoi tu fais du mal à ta femme? Jusqu'à aller lui porter la main. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais fait. Et la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il plaçait toujours la femme comme la catégorie qui est plus faible dans la société. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand il parle du droit de l'enfant sur les parents, il dit, si le Mohammed, alayhi salatu wassalam, il avait eu l'autorisation de donner privilège à un homme ou soit à une femme, il dit que j'aurais choisi la femme. Mais il n'a pas reçu cet ordre. Donc, c'est pourquoi la femme, elle a une place de choix dans la vie du croyant musulman. C'est pourquoi la femme, elle a une place de choix dans l'éducation des enfants. Voyez-vous, dans notre société aujourd'hui, un homme qui va traiter sa femme comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, un homme qui va traiter sa femme comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traité Aïcha, Hafsa et les autres épouses, forcément, le comportement de l'homme va impacter sur l'éducation des enfants. L'homme va honorer toujours sa femme devant ses enfants. Et quand on lui dit que non, maman, mon enfant m'a fait tel jour, il va commencer à corriger ses enfants d'abord, même si la maman n'a pas raison. Pour dire qu'un enfant ne doit jamais lever le ton sur sa mère, que chez moi, ça ne se fait pas. Ça, c'est la traduction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'enfant en conflit avec sa maman, c'est le père qui va rapprocher l'enfant ou c'est venger de la femme. Non, ça, c'est pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, ensemble, nous allons corriger nos quotidiens. Ensemble, nous allons nous imiter du prophète alayhi salatu wassalam pour dire comme il a éduqué ses épouses, comme il a traité ses épouses, et nous, on va faire tant. Et pour terminer, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, meilleur des sacrifices, vous savez, meilleur des sacrifices. Meilleur des sacrifices, il dit, c'est le repas que l'homme prend ou met dans la bouche de sa femme. Quand on parle ça aujourd'hui, les gens vont crier, ah, un imam qui donne à manger à sa femme, mais si le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'a recommandé, pourquoi ne pas le faire? En donnant, vous allez renforcer l'amour. En donnant, vous allez mettre votre femme plus en sécurité. Et en donnant, ça serait un enseignement pour les autres. Que chez moi, moi et ma femme, on est d'accord. Que chez moi, ma femme, elle a des droits. Et de temps en temps, pourquoi ne pas aller faire la vaisselle? Pourquoi ne pas aller laver les assiettes? Quand on dit ça, des fois, les gens crient. Ah, l'homme qui va laver les assiettes, pourquoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lavant les assiettes de ta femme, ce n'est pas pour dire que tu es l'esclave. C'est pour montrer à ta femme que je t'aime. Et le prophète dit, tahadou, tahabou, partagez-vous des cadeaux, des présents, que vous allez vous aimer. Il ne serait-ce qu'acheter un bonbon pour apporter à sa femme. Donc, mets ta main dans ma poche, ce que tu trouveras, c'est ton cadeau. Vraiment, c'est symbolique et ça va apporter plus encore à votre amour. Donc, c'est mieux de méfiance qui existe aujourd'hui, que vous ne vous parlez pas, parlez-vous. Acceptez-vous et pardonnez-vous. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a pardonné à ses épouses, et je termine, il a toujours parlé de Khadija. Il a toujours parlé de Khadija, et jusqu'à dans un hadith, il dit,
inni kadruzitu kubaha. Et moi, prophète alayhi salatu wassalam, Dieu m'a donné la chance d'aimer Khadija. Et si prophète a qualifié l'amour pour Khadija comme une chance ou comme une richesse, pourquoi ne pas aimer notre nos épouses? Et moi, nos épouses, et vous allez voir, bon vivre va exister dans notre vie. Bonne relation existera toujours. Et les meilleures éducations que nous cherchons pour nos enfants va exister toujours dans la famille. Et cette complicité naîtra dans la famille. Tant qu'il y a l'amour, monsieur et madame vont parler de la même voix. Mais quand il n'y a pas l'amour, monsieur et madame vont parler chacun de son canal. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sur le droit chemin. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله